I know you want one night to give into what you want and misbehave. I know you are looking for trouble, cause here you are looking my way. I'm not a saint, I'm not a god, but I'll be sure I'll melt your heart. Don't be afraid, I'll make it hot, cause my love won't take you to heaven, I'll take you. Comment cela va-t-il finir ? Et la question qu'il ne faut pas poser. To hell, to hell, to hell, to hell.
Bonsoir. Et 15h48. Bonsoir. Ou bonjour du coup. Bon, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon début de journée. Merci Biggie Sauce pour ton 17e mois, je le dis avant d'oublier. Et bah bonne après-midi à toi Elchinmore. Bonjour, bonjour. Bienvenue à vous. Il y a des gens dont c'est le premier message. On s'en rend compte tout doucement sur le terrain. Et bah bienvenue. Merci Purple Lynn pour le 33e mois. Je vais bien, Bimetal. J'espère que toi aussi. Ah, c'est toi qui me demande ça, justement, sans sous-entendu derrière ou quoi. Quelle est l'utilité de l'écran de démarrage? Ramener du monde? Indirectement, oui. En fait, le truc, c'est que, tu sais, quand les gens qui ont activé les notifications, par exemple avec l'application Twitch ou avec les mails ou ce genre de truc, en fait, t'es pas informé que le stream commence seconde 1. Il y a un petit délai. Le temps, il y en a des fois, ils reçoivent... Alors, il y en a qui reçoivent pas du tout la notif, ça c'est chiant. Et il y en a qui reçoivent la notif au bout de 2, 3, 4, 5, 6 minutes. Plus le temps éventuellement de pouvoir se connecter au live, quoi. Donc, c'est ça l'intérêt de l'écran d'attente du début. C'est indirectement, du coup, de ramener du monde, même si ça continue à revenir, enfin à monter petit à petit. C'est bien remonté les subs, trop bien. Ouais, alors je comprends pas pourquoi, je comprends pas comment c'est calculé dans le dashboard, parce que clairement il y a trop bizarre. Mais effectivement, c'est remonté un petit peu. J'avais peur. Et là, ça va un peu mieux. Donc c'est grave cool. Ça fait plaisir. Je vous ai même pas dit ce qu'on faisait aujourd'hui encore. Parce que dinguerie, hein. Dinguerie. Bon. Celles et ceux qui connaissent Mario Kart Double Dash. Imaginez. Mario Kart Double Dash. Mais avec un twist. Imaginez que c'était à partir de cet opus-là qu'ils avaient commencé à mettre des circuits rétro dedans. Vous savez, comme dans les jeux Mario Kart qu'il y a eu après, il y a 16 nouvelles maps inédites et 16 anciennes maps remix. Et bah là, ils ont fait ça. Du coup, pour répondre aux gens qui se demandent dans combien de temps ce sera le Chrono Kart, parce qu'après on fera du Mario Kart 8 Deluxe, classique, Chrono Kart, tout ça. Si je ne choque pas sur le Mario Kart qu'on va faire là, le double dash, dans moins d'une heure, hein. Dans moins d'une heure, hein, si je ne choque pas, parce que 16 courses, c'est moins d'une heure. Hein. Peut-être c'est une heure, j'en sais rien. Mais il faut pas de choke. Et donc, c'est un hack de double dash, tout à fait, Mr. Alex, qui s'appelle MKDD Extended. Et c'est à ça qu'on va jouer aujourd'hui. Avec la petite manette de GameCube, bien sûr. On respecte les traditions. Mais ouais, ça va être une dinguerie. Alors, je vais vous partager ça tout de suite. Ok. Une remise à plat complète et définitive de tout le système. Merci pour le 5e mois, buvez de l'eau. Merci beaucoup. Alors, le voici. Nous allons jouer à 1. Nous allons faire le Grand Prix. Alors, il y a d'autres nouveautés sur ce jeu. À savoir ça. J'ai pas joué au jeu, j'ai juste lancé normal pour voir si tout fonctionnait et tout, vu que j'étais pas sûr d'avoir bien installé. En fait, c'était tout simple. Il y a le 200cc, je vais pas le faire pour le moment, parce que le 200cc dans Double Dash, en fait, il a remplacé le 100cc par le 200cc. Moi, c'est ce que je voulais faire à la base, le 100cc, parce que le 150cc sur Double Dash, c'est vraiment dur. Mais on va quand même mettre 150cc, et on va bien se galérer, je pense. Je vais prendre des persos soit légers, soit moyens. J'aime vraiment pas les persos lourds. En fait, ce qui est bien avec les persos lourds, c'est que t'as la bagnole cheatée, mais... Ouais, en vrai, on va prendre complètement des persos lourds, finalement.
Ah mais attendez, il faut que je vous montre, il y a un twist. Vous voyez ce carte là, si vous connaissez très bien Double Dash, a priori ce carte là ne vous dit rien, théoriquement. Celui-là, c'est peut-être un nouveau aussi, celui-là. Ça, non. Non, ça existait aussi. Ça existait, ça? Je sais plus lesquelles existaient, lesquelles n'existaient pas. Mais en tout cas, il y a des nouveaux cartes. Et dans les normaux, attendez. Luigi comme ça, je sais pas, peut-être, oui. Peut-être pas. Celui-là, non. Celui-là, il n'existait pas, c'est sûr. Et celui-là, je suis pas sûr qu'il existait non plus, en vrai. Et voilà, du coup, il y a aussi des nouveaux cartes. On peut tester le nouveau carte... On peut tester le carte bateau, là. Allez. Et donc là, vous voyez, ça, c'est les... Là, il y a les coupes normales. Mais, en fait, on peut faire ça. Et donc là, on a 4 nouveaux circuits. Et pour cette première coupe, donc ce sera Circuit Toad de 3DS, donc exactement comme Mario Kart 8, le nouveau DLC. Et bah, Pont Champignon aussi. Supermarché Coco. Donc 3 maps qui étaient dans le premier DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Et Désert du Soleil de DS, qui pour le coup n'est pas du tout dans Mario Kart 8 Deluxe. Alors c'est parti, ça va faire trop bizarre. Voici le circuit Toad, mais dans Mario Kart Double Dash. Ok. C'est parti. Bon, un circuit très très simple pour commencer. Hein. Oh, mais le kart est gigantesque. Ok, ça va être hyper dur à... Ok, c'est pas du tout maniable. Ah, et le kart est horrible en vrai. Ah oui, puis le 150cc est super dur dans Double Dash. Hein. Si vous avez pas joué à Double Dash depuis longtemps et tout, c'est un enfer. On pourra pas garder ce carte là indéfiniment, hein, je vous le dis cash. Ok. Bon, les maps sont adaptées, bien évidemment, à Mario Kart Double Dash. Ah! Désolé, faut le focus. Faut espérer que les boulasses aillent assez loin. Ah! J'ai eu chaud de fou. Ok. Non, je vais me... Ok, merci de m'avoir poussé un peu. Ça m'arrange. Il faut surtout jamais garder ce carte. Hein. Prochaine coupe, on change de carte. Ah, j'hésite parce qu'on pourrait avoir le cut. Wow. Mais quoi? Mais depuis quand ça snipe en arrière, là? Ok. Merde, j'aurais préféré avoir la doublette. De la merde, l'objet. Mais la team en première position, trop dur. Hein. À moins d'avoir des objets de zinzin, en vrai, c'est chaud, c'est mort. Je peux tenter ça, mais ça risque plus de se retourner contre moi qu'autre chose, en vrai. Putain, il y a la carapace de Bowser que j'avais lancée tout à l'heure. Écoutez, on va faire un top 2, a priori. C'est très correct, vu le... vu la gueule du kart, qui est vraiment pas du tout maniable, en vrai. C'est pas mal. Ah, mais tu as tous les objets spéciaux dans ce hack? Non, ça, c'est juste les persos que j'ai sélectionnés. Dans Mario Kart Double Dash, quand on prend Flora Piranha et Boo. Que son caractère gâche sa voix, mais parfois sous le chapeau, ça chauffe un peu trop. Quand on prend Flora Piranha et Boo, on a tous les objets spéciaux. Merci beaucoup Jean Cac pour tes 300 abonnements, merci infiniment. Et voici donc la corniche champignon de DS du coup. Ça va être horrible. Oh putain, la vitesse des bagnoles! Oh, la vitesse des bagnoles qu'on croise! Oh, le traquenard! Après, il n'y en a pas beaucoup, ça va, mais... Oh, la map va être infâme! Ah! Ah!
Ah, ça fait trop plaisir de jouer à des maps de jeux plus récents sur double dash. Je trouve la sensation est complètement ouf en vrai. Non, mon cadeau. Oh, ok. Ouais. Oh, ah, tu perds ton objet en plus quand tu te prends un damage. Ok. Ah merde, s'il y a une bagnole qui arrive dans l'autre sens. C'est tellement dur, ils prennent tellement de place sur la route. Mais ça va, les bots se... Non, ils sont pas aussi mauvais que moi. Oh, je suis 7ème. C'est pas sur 12, hein, c'est sur 8 pour rappel. Ouais, parce que tomber dans double dash, c'est vraiment long. Mais en vrai, il nous faut vraiment du maniable. Oh putain. J'hésite à la garder pour maintenant, parce que sinon je me prends le truc. Il y a moyen que dans celui-là, l'étoile soit un peu longue et que je puisse... Pas du tout. Elle est pas du tout si longue que ça. Ils sont où les objets? Ils sont au-dessus? Ouais, ils sont à un endroit où... c'est pas très intéressant du coup. En fait, déraper c'est un peu dangereux, mais ouais, j'ai du mal à... Ah, ça va, le virage est propre là, c'est très clean ce que j'ai fait. Ok. Ah mais carrément les bagnoles qui roulent, elles dodge les objets, mais c'est incroyable. Ouais, par contre, je pense que là, les rouges comme ça qui se baladent, à mon avis, ça arrive pas à destination. On peut quand même essayer, hein, mais... On l'a eu. Ça suffira peut-être pas pour dépasser, mais on l'a eu. Est-ce que... Alors, dans le jeu original... Waouh. Dans le jeu original, il faut faire top 4 minimum pour pas être disqualifié. Là, je sais pas du tout si c'est le cas. C'est bon, je le prends le point de bus. Ok. Non, mais ils ont tellement plus de speed que moi, c'est abusé. Non, mais stop. Putain, il va chercher le champi. Eh ben, écoutez, c'est un top 4, justement. Bon, clairement... Ah non, top 4 c'est mort, faut faire top 3 peut-être. Attendez, on va voir. On va voir si j'ai marqué retry ou pas. Non, a priori. J'adore cette musique par contre. C'est très très dur, hein. C'est très très dur. Encore et toujours. Merci beaucoup Alexway pour ton 10e mois, merci. Ah ok, Gil, my bad. Je croyais que là, si tu faisais top 4, tu devais recommencer. Ok. Foufoufou. Ah, elle est bien refaite, hein. J'ai machinalement appuyé sur la gâchette pour essayer de faire un jump, quoi. Je sais pas où c'est que c'est le plus rapide d'aller, du coup. Alors pas là, déjà. Il y a un objet ici. C'est broken, mais je l'ai raté. Attends, elles font quoi, les voitures? Ah ouais, les voitures, elles circulent carrément. Ouais, elles cherchent une place, il n'y a plus de place sur le parking. Oh, elle est trop stylée, la map. En vrai, c'est une dinguerie. On peut passer là sans champi? Non, d'accord. Oh putain, ça fait tellement mal. Le ralentissement fait très mal quand même. Ouais, dommage, mais je voulais tester en vrai parce que... Ok, on va se refaire avec ça. Oh. On peut tester d'aller en haut cette fois peut-être? J'ai réussi à rater l'objet, hein. Ça bouge pas. Putain, par contre, les sauts, des fois, ça nous stun vraiment trop bizarre. Genre, il s'est quasi arrêté net, quoi.
Il va faire son demi-tour où? Ah! Pars-toi, toi. Bâtard. En plus, il a pris mon objet, le salaud. C'est trop marrant comme il zigzag. Tu vois que les ordis, ils sont un peu perdus sur la map, quand même. Des barres. Enfin, cela dit, moi, je zigzague tout autant. Ok. Non, pas en haut, c'est de la merde, on a dit, en haut. Eh, c'est plus qu'un seul objet, il n'y en avait pas deux, là, avant. Non! Ok, top 1 sur le supermarché Coco, let's go! Ça fait plaisir. Dans le jeu double dash, le jeu de base, il faut de l'accélération à fond et de la vitesse avec les dérapages. Ok. Excellent. Ce n'est pas une recette de succès, mais c'est sans doute un signe. Merci Mister Alex pour les 100 bits. Alors, je suis très impatient. Alors déjà, celle-ci était magnifique et je suis très impatient de la prochaine. Pourquoi? Parce que ça fait un bail. Le désert du soleil de Nintendo DS. J'aime beaucoup. Oh, terrible. Oh, je vais être catastrophique. Arrêtez de me pousser. Ok. Ah, j'aimais trop cette succession de virages. Les sensations incroyables. Ah, j'ai pas eu le temps de ressortir ma banane et tout. Là, pareil, j'ai pas eu le temps de sortir la carapace. Il y a un léger... un input lag. Enfin, si, en vrai, c'est un input lag. Parce que j'avais fait les mouvements, ça a pas sorti le truc, donc... Putain, elle est grave cool, la map, c'est une dinguerie. Putain, c'est chaud de se concentrer sur tout en même temps. Ah! Non, là par contre, j'ai troll en vrai, j'aurais pu réagir plus vite quand même. Mais en fait, on est tenté de faire comme sur... Mario Kart 8 en fait, au niveau des timings. Alors que les timings sont quand même différents. Vas-y, c'est dégueulasse, il s'est baissé pile au moment où j'arrivais. Moi, mon intérêt, c'est que Koopa et son pote, ils soient ultra loin. Ils sont troisième. Je vais pas les rattraper. Je vais pas golder la coupe. Putain, et je me prends plein de merde en plus. Je vais pas golder la coupe parce qu'ils sont top 3 et du coup, je vais être deuxième au global. Malheureusement. Ouais. Bon, écoutez, c'est une deuxième place sur le podium. Ça fait déjà plaisir. Bon, l'animation, c'est la même, on connaît. Ok. Et bah, très 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 bien, cette première coupe. Je m'appelle... Ah. Une deuxième place honorable, on va essayer de faire mieux. Allez. On va tenter des persos de taille normale. Didi est taille normale? Je sais pas. Didi et Peach en vrai. Et on va tester peut-être ce carte là.
Parce que les autres, je sais pas s'ils sont nouveaux les autres. Vas-y, je vais prendre celui-là. Alors, circuit Mario de DS, circuit Mario de Autodrome Mario, je crois, de N64, Jardin Peach de DS et Stad Wario de DS. Ok, je suis pas convaincu par la coupe, à part Jardin Peach, je suis pas du tout convaincu par cette coupe, mais let's go. C'est quand même beaucoup plus maniable. Il y a rien à voir quand même. Waouh waouh waouh, il y a eu un petit... Putain, la map est chaude avec le nombre d'ennemis là. Non mais elle est tellement différente de... Elle est tellement différente de Mario Kart 8 en vrai, ça me choque. C'est la même, oui c'est la même hein. Ouais, c'est la même. Enfin c'est bien celle-là. C'est bien celle qu'il y a sur Mario Kart 8, mais elle est tellement différente. Elle est beaucoup plus proche de l'original je crois en vrai. Je crois que la forêt et le Wiggler c'est des trucs qui sont apparus dans... Pfff. Non ! C'est tellement long quand... Oh c'est... Ah c'est FF. Ah c'est FF. C'est des trucs qui sont apparus dans le remake du circuit, mais à la base, c'était plus comme celle-là. Elle est trop bien, en vrai, elle est trop bien refaite. Y'a rien à dire. C'est carré, c'est très carré. Waouh, 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 waouh. Ce virage, il est tellement dur. Putain, heureusement, ils se sont pris un truc. Eh, oh, oh, oh. Non, avec sa grosse tête, là. Marque indélébile. Merci Sourcil pour ton 8e mois, merci beaucoup. Il y aura un jour un historien de cela. Oui, nous vous le raconterons. Wow ! Il y a eu un petit freeze quand même. Hein. J'ai l'impression que ce passage-là, quand on y arrive, il y a un petit freeze. Peut-être ça, pour le chomp, je sais pas. Bon, du coup, on n'a jamais l'objet spécial de Peach parce qu'on est trop fort au jeu. Oh putain. Ils ont le... J'avais oublié que le Chomp est un objet qui existe dans ce jeu et que c'est broken de fou. Ok, c'est top 1. Let's go. Il est carrément mieux ce kart que celui que j'avais avant, ouais, c'est clair. Et donc ça, c'est un kart qui est exclusif à ce hack. Non, l'objet spécial de Peach, il est trop bien. Tu récupères tous les objets des gens. C'est broken. Mais bon, il tombe que dans les dernières places, donc en vrai, pas si ouf. Pareil que le Chomp, en vrai. Donc, Autodrome Mario de N64. Bon, une map assez classique. En vrai, je pense qu'elle a été aussi choisie parce qu'elle était simple à reproduire. Mais elle est pas incroyable. Ok. Oh le chien. Et ouais, forcément. Mais regardez-moi ça. Ah oui, mais c'est vrai que le Chomp, comme il se libère après, il peut t'attaquer, mais ça veut pas dire qu'ils sont encore en train d'avancer, qu'ils sont juste derrière toi. Ok. J'ai pas réussi à... Putain. J'ai pas eu le temps de poser mon objet. Quoi ? Sus. Ok.
Ouais, les maps sont vraiment quasi identiques à leur original. Mais en vrai, comme c'était le cas sur les Mario Kart d'avant. Hein. Les Mario Kart... Genre Mario Kart Wii, Mario Kart DS, les circuits remake, ils étaient très très proches des originaux hein, systématiquement. Il n'y avait pas le côté qu'on a maintenant où il y a plein de petites excentricités. Putain, j'ai pas eu le temps de réagir. Je vais pas me faire doubler à la toute fin quand même. Non, je pense qu'ils sont trop loin en vrai. Personne ne s'est pris mon cadeau, ils sont intelligents les bots. Ouais. Ah, normalement c'est bon. Hein. Ah, le bloc objet piégé c'était sympa. En vrai je comprends un peu le retrait, mais c'était cool. Ok, très sympa. Passons à la troisième. Le jardin Peach je crois. Ok. Bon, il n'y aura pas le twist du troisième tour. Oh! Il y avait des petits trucs autour. Oh là là. Ouais, il y a aussi le chomp dans ce hack, tout comme dans l'original, ouais. Putain, on peut se prendre des. Je sais pas ce que c'est ces trucs, mais. Oh, let's go. Oh, comment ça nous met si bien. J'aurais peut-être dû le garder en vrai. Limite le garder pour le tour 2, ça, c'était broken. Parce qu'en fait dans ce jeu, c'est un peu plus chiant parce que t'as pas systématiquement... Comment expliquer? Ça change pas tout le temps systématiquement le perso quand tu dépenses un objet et tout. Donc tu récupères pas systématiquement un deuxième objet si t'as mal placé ton premier objet. Mais en revanche ça veut dire que techniquement, tu peux conserver un objet à l'infini en fait. Genre tu et continuer à farmer un objet pour avoir un autre tout le temps. Comme si par exemple vous aviez la pièce, vous utilisiez la pièce, et après vous récupériez la pièce et vous pouvez réutiliser la pièce. Et ben ça, j'aurais pu conserver un champi à l'infini tout en ayant d'autres objets en les utilisant. Bon, en tout cas la map est carrée, rien à dire, c'est très très cool. Putain voilà, là par exemple j'ai oublié de prendre l'autre objet. Oh le... Ok. Je mets une banane à cet endroit là parce que si quelqu'un se la prend, ce sera trop chiant pour remonter je pense. Ok. Bon c'est très chill hein. Très tranquille. J'ai eu tellement chaud. Putain, j'ai réussi à rater ça, ça dégoûte. Ok, bon, c'est très tranquille, hein, et puis on chill en première place. En vrai, ça risque de devenir subitement assez dur, mais je me demande si on peut pas tester le 200cc en vrai pour la prochaine coupe, histoire de voir un peu la diff. Ok. Ouais. De toute façon, le champi, je pense qu'on peut vraiment faire une croix dessus. Hein. Parce que là, on est tranquille, quoi, hein, vraiment. C'est grave cool, ça fait grave de bonnes sensations, mais alors par contre... Les ordis sont un peu à la traîne. Je dis ça, je vais faire top 2 maintenant que j'ai dit ça, c'est sûr. C'est le karma ça hein. En plus c'est moi qui avais posé ça à cet endroit là. Je crois. Oh le karma instant. Pas tant que ça en fait hein. Pas tant que ça en fait, c'était peut-être un peu un signe finalement. Oh le bol. On est quand même sur bonne petite luck là. Oh là là.
Let's go. Ok, et du coup, dernière map, c'était quoi déjà? Je me souviens plus. Ah oui, oui, ah oui. Sad Wario de DS, qui est un circuit que je déteste sur Mario Kart 8. Mais en vrai, là, ça me dérangera peut-être moins. On va voir. Du coup, forcément, le design pour le hack est un peu inspiré de Stad Waluigi. Hein. D'ailleurs, c'est pas, c'est complètement la musique du Stad Waluigi. Il a pas mis la musique de Stad Wario. La musique de Stad Wario, c'est celle du Flipper Waluigi à la base. Mais j'ai trop de chance. C'est pas possible. Dès que je suis pas premier, il y a des bleus. Ça c'est la musique un peu de base de MK8 de Double Dash, non? Ah, par contre la map va être dure. Hein. Ouais, on est d'accord. Hein. Ah, peut-être qu'il n'y avait pas de remix intéressant ou un truc comme ça. Et ce qui est bizarre, c'est que pour les autres maps, genre Jardin Peach, on avait bien la musique de Jardin Peach. Ouh, j'ai eu très très chaud. C'est le genre de map où je pense les bots vont être super durs à battre en vrai. Waouh. On a des petits freezes, on espère qu'on arrivera à tenir jusqu'à la fin du... Putain, ils mettent trop de temps à réapparaître les objets. Jusqu'à la fin du hack. Laurent Fabius. Merci Angelink. Je comprends pas grand chose. Cécile Duflo n'en a rien à faire. Merci. 32 mois, effectivement, ça en fait des mois. Effectivement. Ouais, j'arrive pas à le dépasser. Vas-y, comment j'ai réussi à pas avoir d'objet, ça dégoûte. C'est ma faute. Non, c'est pas moi. C'était pas de moi, ça. Oh, je me fais bolosser. Alors derrière, ça se galère aussi, mais... Mais bon. Toxique, cette banane, mais vas-y. Quelle map de double dash tu voudrais pour Mario Kart 8? Perso, Montagne DK, Arène Wario, Château Bowser et la map des dinos. Alors moi j'aimerais pas trop la map des dinos et la map Château de Bowser. Je trouve vraiment que c'est pas... Il y a de meilleurs Châteaux de Bowser et que... Pff, ouais, celle des dinos, un peu flemme. Mais Montagne DK et Arène Wario, je suis giga chaud. Et Route Arc-en-Ciel aussi que j'adore. Sur double dash, je suis très très fan de la Route Arc-en-Ciel. Mais ouais, Arène Wario avant... Arène Wario en premier... Route Arc-en-Ciel en 2 et Montagne DK en 3, qui sont 3 maps que je trouve toutes les 3 excellentes pour le coup. Quand même. Même si je mets Montagne DK en 3, c'est un banger absolu. C'est le moment de la mettre. Hein. On garde l'autre pour se défendre. Et avec un peu de luck, ça peut passer. Ok, attendez. Vraiment, on se protège bien là. Normalement, là, c'est bon. Là, c'est gagné, là. Hop là, voilà. Et ben, on a fait un perfect sur celle-là. Let's go. Ça régale. Ça régale. Le kart y est pour beaucoup. Hein. Incroyable. Il y a des stats sur les persos où c'est juste cosmétique. Non, je crois que c'est juste léger, moyen, lourd et qu'il n'y a pas d'autres stats. Allez, on va tenter le 200cc. Je vais prendre deux légers. Bah, en vrai, ouais. C'est vraiment le duo fatal, ça. Alors, attendez, quelle carte est un... Quelle carte est exclusif? Dites-moi dans le chat, quelle carte n'est pas dans Double Dash?
Est-ce que c'est le jaune? Est-ce que c'est le bateau? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Et celui-là peut-être aussi. Et le bordeaux. Dites-moi lesquels sont des ajouts du hack. Je sais pas du tout. Jaune, bateau et rose. Les trois sont des nouveaux, vous pensez? Le jaune et le bateau au moins. Ok. Et ben... Allez le bateau, allez. Oui, c'est une belle manière d'être gaulien, d'être un peu vilpiniste. Merci bref, Pomi pour le 28e mois. Bonjour, il est si tôt. Et oui. Alors. Waouh. Oh, la cup de Zinzin. Alors, pic des cas de Wii. Circuit pitch de GBA. Quartier Delfino de DS. Et je sais plus comment s'appelle. Jungle de DK, peut-être tout simplement, de N64. Je sais plus comment il s'appelle. Wow, la dinguerie! Ah ouais! Ah ouais! Non mais attends, le jeu il va crash là, c'est obligé! Oh la dinguerie! C'est si long à tomber? What the fuck? Oh! Oh les chiens! Je vais tenter aucun cut. Parce que je sens la connerie. C'est hyper dur de voir où c'est qu'il faut passer. Ok. Ah oui, c'est vrai, on est en 200 cc, putain. C'est pour ça que je me disais, vas-y, on va vite là. Mais c'est... Ah oui, mais c'est d'accord, mais c'est pour ça qu'on tombe super loin à cet endroit-là. C'est que c'est pensé pour du 150. Je suis trop con. Mais oui, on fait du 200 cc là, c'est vrai. Ok. Là j'aurais pu... Ouais, je pensais que j'avais le temps de sortir des rails, mais non. Mais je pense les persos ordi, peut-être ils se galèrent un peu, même si là le fait de tomber dans le vide ça va vraiment nous prendre du temps. Ah ouais, en plus il y a l'animation du glaçon et tout. Ah par contre j'ai restart super vite. Ah ouais, là fallait passer sur les côtés, ok. Et là fallait passer sur le côté droite, ok. Ok, côté gauche puis côté droite j'ai l'impression. Le truc méga toxique, c'est de mettre la banane juste avant le tuyau. T'as forcément une personne qui se fait méga baiser. Ah ouais, par contre là, d'accord. Aïe. Ok. Donc on a dit gauche puis droite. Ah merde, je suis pas allé assez. Bon, en vrai, easy. Hein. Easy le 200 cc, je pensais que ça allait être dur, mais peut-être que les persos ordi se galèrent plus qu'autre chose. Après, faut dire qu'on est fait sur une map assez large quand même. Faut voir ce que ça donnera pour les circuits suivants. En tout cas, énorme banger la map. Je pensais pas que ça, elle tournait comme ça, normal, c'est assez fou. Je sais plus si le jeu il est console compatible ou pas. Oh ça, ils ont gardé vraiment le fond un peu original. Donc le circuit pitch de GBA, il y a eu un remake de ce circuit depuis dans la série Mario Kart. Je suis même pas sûr. Merde, j'ai oublié le démarrage turbo. Ah c'est bon. On a déjà re-eu ce circuit depuis... Enfin, dans un Mario Kart ou pas? Parce que moi j'ai quasiment pas fait... Sur la DS, d'accord, ok, merci. Il me dit vraiment rien, mais après... La DS, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, quoi, on va pas se mentir. Je suis vieux.
Oh, c'est une catastrophe, faut pas que j'essaye de farm les doubles objets, c'est du bait. Je pense en vrai si je campe... Ouais. Si je campe avec mes objets, ça suffit en vrai. Merde. Ça va, c'est cool, c'est une map un peu technique, etc. Mais très sympa. Ah oui, elle est sur Mario Kart Tour aussi, ok. My bad, je comptais pas celui-là. J'ai jamais joué à Mario Kart Tour. Mais Mario Kart Tour, il y a tellement de maps aussi. Bon écoutez, le 200, un peu décevant parce que je pensais que il y aurait un peu plus de challenge. Pour l'instant, l'un des rares trucs que je reproche au jeu, c'est qu'il soit assez simple dès que tu prends un bon kart. Mais après, il y a le multijoueur dans ce jeu, c'est juste que j'ai pas d'amis. Et donc il y a le multijoueur et donc on peut le faire en online avec Dolphin. Et on peut même faire directement les comment ça s'appelle ? Les Grands Prix, on peut les faire à 4 joueurs directement, là où c'était limité à 2 dans le Double Dash original. Ok, ça m'intéresse. Le quartier Delfino de la DS, ça va nous rappeler des bons souvenirs. Ok, c'est parti. Palapapapam. Quelle musique incroyable. Oh là là, c'est trop bien en vrai. C'est trop cool. Ah, il y avait un cut là, mais peut-être il faut un champi pour ce cut. Mais c'est vrai, il y a un cut à cet endroit là. Je suis tombé comme une merde. Je sais pas si le pont il se lèvera ou pas. En vrai, faut peut-être pas trop en demander non plus, hein. Une marque indélébile. Merci d'Avatac pour le premier menu de ton 8e mois, merci beaucoup. Merci, merci. Il y aura un jour un historien de cela. Oui, nous vous le racontons. Oh la musique! Voilà le 200cc. Petite trace quand même, hein. Ouais, bah ouais. Bon, moi ça me permet de tourner ici. Je sais pas quel passage est le plus rapide entre les deux. En vrai, je pense que c'est à peu près pareil. Je crois qu'aussi il y a un énorme cut, mec. Faut un champi. En passant à l'endroit d'avant là, en passant à gauche. Par contre, c'est abusé comment je leur mets vraiment de l'avance, mais abusé. Et je me prends jamais de carapace bleue pour l'instant. Ça par contre je me suis bien pris. Putain, j'ai raté l'objet encore. Oh ça y est, je me prends un peu des trucs, ok. Ouais, mais j'ai tellement d'avance en vrai, ça craint rien. En vrai j'hésite même, mais je pense que à vouloir flexer, on va se faire flexer. Mais j'hésite à vous montrer ce que je veux dire, genre là, en allant là. Ouais, avec un champi ça passe de fou, hein. Ah puis en plus on respawn ici, c'est parfait. Et alors ça, est-ce que ça marche sans champi? Ah, je sais pas. Non, c'est ralenti quand même. Putain, là par contre c'est l'erreur qui peut nous kill, même si je pense vraiment pas. Je pense que c'est ok, mais bon, on va quand même faire attention. Non, normalement c'est bon. Oh, la musique est incroyable. Mais ouais, les bots galèrent limite plus, beaucoup plus avec le 200cc, hein. Ou alors les bots sont pas en 200cc, ça se trouve, j'avoue, ça se trouve, il y a que moi en 200cc. Je sais pas trop.
C'est très compliqué de programmer des IA sur des nouvelles maps, hein. Ok. Donc comment elle s'appelle déjà celle-là en français? Donc c'est la map de DK de N64. C'est juste jungle DK? Non, non, c'est autre chose? Non, je sais plus. Ouais, si, c'est juste jungle DK. Ok, ok. My bad. Map de fou, ça aussi, hein. Après, elle aurait peut-être un peu moins d'intérêt aujourd'hui s'ils nous la mettent en remake sur Mario Kart 8, je serais en mode, ouais. Mais, ouais, par contre, le wow. Mais, assez sympa. Ah, effectivement, je me demande si les ordis, ils sont vraiment en 200cc, hein. J'ai l'impression d'être le seul en 200cc, en vrai. Ok. Après aussi, peut-être que c'est moi qui ai pris le meilleur kart, hein. Je pense qu'en vrai, le kart est vraiment pas mal, hein. Il y a un site où toutes les maps de tous les Mario Kart confondus sont listées. Oui, Wikipédia. Sur Wikipédia, tu vas sur la page la Mario Kart, mais la série Mario Kart, quoi. Et alors après, elle sera pas directement dessus. Faudra cliquer dessus pour faire défiler la liste déroulante. En vrai, la map ressemble à Riverside Park. En vrai, pas trop. esthétiquement un peu, mais les trages et tout ont vraiment rien à voir. Et après, ouais, sur la gueule du truc, peut-être. Est-ce que d'ailleurs, on se fait... Non, il y a pas les trucs où on se fait taper comme dans... Comme sur la N64. Non, sur Wikipédia, vraiment Wikipédia, il y a la liste de toutes les maps. J'en suis certain. Et t'as même marqué sur quelle console ça y est et sur quelle console ça y est pas. Vu que le 200cc remplace le 100cc, peut-être que les bots sont en normal plutôt qu'en difficile. Ah, j'avoue. C'est vrai qu'il y avait aussi encore du scale de difficulté à ce moment-là. Je crois. Je crois, si je dis pas de bêtises. Dans Double Dash, il y a encore aussi le côté, si tu prends 50cc, ils sont nuls. Si tu prends 100, ils sont un peu mieux. Si tu prends 150, ils sont très forts. Ok. Elle est belle, l'eau, hein. Et ça a changé, je sais pas si c'est encore le cas maintenant en vrai. Ouais, peut-être que c'est toujours pareil, hein. Ouais, bon, c'était un peu sûr ça. Ok. Mais très sympa aussi, comme map à refaire. Bon, et alors vous êtes sûr, le chat, la petite voiture jaune là pour les persos légers, c'est une exclusive à ce hack. Pour savoir laquelle je prends pour le truc d'après. On va repasser en 150 du coup. Mais très très sympa. Hein. Très très sympa ce hack. Oui, ok. Et bah go, on prendra ça. On va garder notre duo incroyable et on va prendre la petite voiture jaune. Donc celle-ci, qui serait une nouvelle. Elle fait un peu penser à Usine Todd. Je sais pas s'il y a une autre ref derrière, mais... Ouais, ok. Eh bien, on va faire donc Circuit Luigi de la Wii, Désert Calimari de la N64, Route Claire de Lune de Wii, et Mario Circuit de 3DS. Oh, je suis trop chaud pour le tout dernier. Le tout dernier
me fait trop plaisir. En revanche, je suis assez... C'est une voiture de 3DS, ok. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de route arc-en-ciel, mais en vrai, ça m'étonne pas, ça doit être tellement chiant à coder des routes arc-en-ciel. Mais trop hâte de la dernière. Voilà, par contre, là, ça lag un peu. Donc ça, c'est la première map de la Wii, si je dis pas de bêtises. Et les bots risquent d'être un peu chiants dessus, du coup. Donc, vu qu'en fait, c'est une map que les bots aiment bien, finalement, j'ai envie de dire, hein, ce genre de truc. Ben, je pense qu'ils sont OP, les boosts, en vrai. On les a eu, je crois. Ok. Allez, Didi, remonte. Didi! Ok. Parfait, ça. Merde. Ouais, là, il y a un peu plus de challenge, quand même, hein. J'ai pas eu le temps. Un peu le traquenard là, les boosts. Hein. Ok, parfait. Et bah nickel. Très sympa, même si c'est très simple comme map, j'ai beaucoup aimé. Allez, suivante. Le désert Calimari. De la N64, du coup. Alors, je pense qu'il n'y a pas de cut possible avec le train, tout ça. On va peut-être pas essayer. Je sais pas s'il y a le cut à gauche. Parce que de mémoire, sur N64, il n'y a pas le cut à gauche. Hein. Ah, il n'y a pas de cut, là. Ah, pas de cut à gauche, ouais. Dommage, si j'avais bien visé cet objet, ça aurait pu faire des ravages. Ça peut, là, si j'y arrive cette fois. C'est mieux, hein. Ah putain, elle traverse les rails, ok. Mais ils sont où les premiers? Ils sont méga loin. Mais attends, ils sont où les... Oh, ils sont tellement loin! Oh, les bâtards! Waouh, pourquoi il me dit que je vais à l'envers? What the fuck? Ah, ils sont très 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 chauds là, les bots, pour le coup. Mmh. Non, c'est bon. Mais je peux rien faire, en fait. C'est juste perdu. Pas bien visé, ça. Par contre, très sympa l'ajout des poké. En vrai, les persos qu'il m'aurait fallu pour comeback, là, c'est les Koopas, en fait. Justement, parce que ça balance des rouges, tu peux avoir des triples rouges. En fait, faut savoir que dans ce jeu-là, la triple rouge, c'est un objet, il n'y a que Koopa et Paratroopa qui peuvent l'avoir. Et du coup, ben... Là, j'avoue que sans ça... Putain, en plus, ma carapace, elle s'est cassée contre le Poké. Non, mais ils sont pas battables, en fait, juste... Sont pauvres à table. Ouais, bah, FF. Ah non, par contre, je veux pas faire top 3. Non, non, non. Ok. On a des vrais ennemis là. On a des vrais ennemis vénères.
Ok. C'est parti pour la suite. La route claire de lune. Ah, il y avait des boîtes à objets sur les rails. Ok. Alors ça en 200, ça doit être vraiment horrible en vrai. Ça doit être infâme en 200. Ça va qu'on l'a refait dans Mario Kart 8 Deluxe il y a pas longtemps et que maintenant on la connaît parce que sinon j'aurais vraiment été aux fraises. Hein. Ouais, il y a des objets, ils se déplacent tellement vite. Par contre, il n'y a pas les petites voitures bombes du coup. Ça va, la seule voiture qu'on peut taper, c'est la petite voiture champi. Donc ça va. Oh non, ça je me fais klaxonner. Ouais, bon là, les ordi, ils sont vraiment aux fraises avec les bagnoles. J'ai tellement d'objets, j'ai même pas le temps de tous les utiliser. Ok, bon. Ouais, bon, ça c'est pour notre gueule quand même. Ouais, tranquille. Ça, par contre, les boosts, faut vraiment bien les prendre, sinon ils ont une hitbox assez sévère. Hein. Oh l'horreur. J'ai un tour d'avance, quasiment. J'ai quasiment un tour d'avance. Ah ouais, quand même. Ok. Eh bien, voici la dernière map. C'est trop cool. C'est trop une map que j'aimerais trop revoir dans Mario Kart 8 ou dans le prochain Mario Kart. Le circuit Mario de 3DS. Je trouve que c'est un banger absolu. Ok. On a ce long virage là. Et puis après, la dinguerie qui va arriver bientôt. Ok. Cette phase dans le château que je trouve absolument incroyable. Et ça, il nous le faut, ça. Trop bonne idée. Hein. Ah, c'est trop bien. Et un petit tuyau pour terminer. Map incroyable en vrai. Ok, on a de la concu. Merde. Il y a de la concu. Il est dans Mario Kart Tour ce circuit, donc ce n'est pas impossible qu'il le remette sur Switch. A priori, non. Hein.
A priori, il n'y aura pas de nouveau circuit 3DS sur Switch, à part s'il y a une nouvelle vague, mais... Enfin, s'il y a, s'il y a des nouvelles vagues après la 6ème. Mais dans la 6ème, il n'est pas question de circuit de 3DS, a priori. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, dans Mario Kart 8 Deluxe, il y a beaucoup de circuits de 3DS. En fait, il en manque assez peu. Et celui-ci en fait partie. Mais trop bien cette map, je suis trop content de la refaire. Ok. On est pas mal là, hein, mine de rien. Tout à l'heure, au début du tour 2, on était dans la merde, mais là, on est vraiment tranquille, hein. Ouais, juste les bots un peu plus forts, ça aurait été peut-être mieux. Les bots ont du mal avec les nouveaux circuits. Mais sinon, c'était un très bon hack et ça doit être très fun. Putain, regardez comment je le rattrape, lui. Sinon, ça doit être très fun de... d'y jouer avec des gens. Ça doit être très cool à jouer avec des gens. Je pourrais peut-être proposer à des gens qui aiment bien Double Dash. Mais c'était trop sympa en vrai. C'était trop sympa, les nouvelles cartes sont trop bien et faire des circuits différents c'est sur Double Dash, c'est super agréable. Le gameplay de Double Dash est quand même sympa malgré tout. Et du coup ouais, en multi ça doit être très sympa aussi. Ouais. Et bien voilà, c'était MKDD Extended. Et j'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé ça très cool. C'est sympa parfois des remakes de map. Ouais. Il y a eu des remakes et des remakes. Il y a eu les deux. Je pense qu'il y avait plus de remakes que de remakes en vrai. Bravo le modding. Très bon et très clean en fait. C'est très clean. C'est vraiment dans l'esprit de Mario Kart Double Dash quoi. C'est ça que je trouve que j'ai trouvé hyper intéressant en fait. C'est que t'es vraiment dans ce mood. Salut Ted. Et du coup le Prono Kart arrive dans quelques instants. Hop. Non mais trop bien. Trop bien, je serais trop content de... qu'il y en ait plus. Mais en vrai, je sais que tout le monde des mods de Mario Kart, il est vraiment quasi infini. Il y a une quantité incroyable de maps jouables pour Mario Kart 64. Beaucoup pour Mario Kart 8 et Mario Kart 8 Deluxe aussi. Et le jeu qui se fait le plus rincer en termes de nombre de maps, c'est Mario Kart Wii. Le modding sur Mario Kart Wii, voilà, bah c'est, voilà, le chat le dit aussi, Yuneat qui dit les mods de Mario Kart Wii sont complètement dingues en vrai. Il y a vraiment une quantité astronomique. Mais c'est pas forcément très simple aussi pour y jouer quoi, en général. Il faudrait, en vrai, ça doit pas être si dur le modding de Mario Kart Wii, mais je sais que les gens qui y jouent, ils jouent plutôt sur des vrais Wii en fait. J'ai pas de vrai oui à mettre là-dedans. Ok. Bon.
Bon. Retour en... J'allais dire retour en 2023. Mais retour en 2014, en fait. Avec Mario Kart 8. Ah, c'est la vraie oui est obligatoire. Ok, ok. Et il y aura du Chrono Kart à partir de maintenant, bien sûr. Je vais pas faire trop long, hein. Ouais, bientôt 10 ans, ce jeu. Alors... On va créer le tournoi Annick Girardin 193, bien sûr. Mario Kart 8 Wii U paraît tellement vide à côté maintenant, ouais de fou. Allez, donc si jamais vous voulez rejoindre et jouer avec moi à Mario Kart, il suffit de rentrer dans votre Mario Kart le code du tournoi que je vais mettre dans quelques instants. Est-ce qu'on considère Mario Kart 8 Wii U comme le même jeu? En vrai, oui, hein. En vrai, oui, hein. C'est juste que Mario Kart 8 Deluxe, c'est une version avec des mises à jour de Mario Kart 8 Wii U, je trouve. Même Wikipédia et tout considère, enfin liste ça comme ça. Nintendo, ça les arrange aussi un petit peu, je pense, pour les chiffres des ventes. Ok, période fixe. Allez, on va mettre 16 courses. Mais j'en ferai peut-être pas trop, parce que je suis assez fatigué, les amis. En fait, je suis plus ou moins en mission recalage en ce moment. Donc je suis assez KO. Attendez, je vous mets le code dans le chat. Ok. Voilà le code dans le chat. Et je vais l'épingler aussi, d'ailleurs. Hop. Vous pouvez rejoindre à partir de maintenant. Attends, je vais peut-être vite rejoindre, moi. Pas me faire gruger la place, mine de rien. Comme d'habitude, ma Wii U n'arrive pas à se connecter au tournoi de JD, je ne comprends pas, sûrement un problème de réseau. Ouais, bah ouais. Mais à la base, en plus, je voulais trop qu'on se fasse un jour, je vous avais dit ça déjà, genre il y a 2-3 ans, qu'on se fasse un tournoi, un coup, sur la Wii U. J'ai toujours eu méga la flemme de le faire. Parce que je me suis dit, en plus, ça va être un gros flop, genre il va y avoir 3 personnes. Et bon, bah maintenant, c'est encore plus mort, quoi. 6, 9, 11... Ok. Bon. Circuit Mario 3, visiblement, si le jeu arrive à se lancer. Ok. C'est parti. Vous pouvez faire vos pronos à partir de maintenant. Let's go. Ça fait bizarre juste après avoir joué à Double Dash en vrai. Ça fait très bizarre.
Ça fait très bizarre après avoir joué contre des bots à chier aussi. De jouer contre des tryharders de fou, hein, on rappelle. Que des tryharders ici. J'aurais peut-être dû... Ouais, je sais pas. Ah, je vous jure, je vais être assez low, hein. Ça fait vraiment bizarre de fou. Comment t'as esquivé tout ça, toi ? J'ai envoyé 14 000 boulasses. Oh, les objets de merde. Oh non, mais en plus... Attends, mais c'est quand même unlucky, hein. On est au troisième tour. Et je me retrouve avec deux simples rouges en cinquième. C'est quand même unlucky de fou, en vrai. Septième, je me suis même pas pris de dégâts sur le dernier tour. C'est terrible. Bravo les gens qui avaient prono 7. Ah mais y a que Forza qui avait mis le prono 7 en fait. Bravo à toi. Bravo, bravo. T'as gagné quoi ? Bah le droit de sub à la chaîne. Bravo à toi, hein. Très belle victoire. Ouais, Bandcraft qui a dit tu as gagné un bon gros fur. Ça fait mal. Il a fait quoi, Nask? Pourquoi Nask il nous met toujours 30 minutes d'avance sur le jeu et là il vient de tomber dans le vide? Il faudra qu'il y ait une vidéo explication de la part de Nask. Il est de retour. C'est très grave ce qui vient de se passer. Oh Ryan. Non. Il est pas battable. Et bravo les gens qui avaient prono 2.
Bravo, bravo, bravo. Wow, allez, c'est 2014. Enfin, je dis 2014, mais Park Baby, c'est peut-être pas sorti en 2014 en vrai sur Mario Kart 8. C'est peut-être sorti après Park Baby quand même. Parce que les DLC dans Mario Kart 8 sur Wii U, je crois qu'ils sont sortis en 2015 ou 2016. Oui, même à moi, ça m'arrive de faire des dérapages, ouais. Non, bah ouais, je me doute, Nascal. Aléatoire, please. Et bravo à tous les gens qui avaient prono 2, au fait. Hein. Allez, là, c'est vraiment compliqué, les pronos de Park Baby, c'est toujours compliqué. C'est vraiment pas ma gueule ça, oui. Très bien. Ah, les objets ils sont jamais là où ça m'intéresse. Hein. Mais par contre, je vous jure, le fait d'avoir joué à Double Dash juste avant, ça me fait oublier certaines méta, genre le dérapage violet. C'est assez horrible. C'est gagné. Ah bah non, putain, il reste. Non. J'aurais dû spam. J'aurais dû spam le bill en vrai si j'avais. J'ai pas pensé. Le geste précis, efficace, répété. Merci Joey pour ton troisième mois, merci beaucoup. Et bravo les gens qui avaient prono 4. Voici le classement. Et pour l'instant, c'est Dragon qui est en tête. Tu t'en sors super bien. Ouais, mais en vrai, j'aurais spam plutôt le bill. Pendant que j'avais l'étoile là, au lieu d'attendre, j'ai attendu la fin de l'étoile comme un con. J'aurais spam le bill instantanément, puis j'aurais mis ma deuxième foudre. Je pense que je faisais top 1 en vrai. Peut-être top 2. Ah, ça dégoûte qu'on fasse pas Riverside Park. Pam 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 la tan tan. Quatrième course, c'est parti. Comment utiliser ces objets à bon escient? Elle a mis tellement de temps à passer. Ah, mon timing est bon.
What? Le geste précis, efficace, répété. Merci à Zebrania pour ton troisième mois, merci beaucoup. Je sais pas si j'aurais, si je devais le jouer mon champi. Oh, le jeu est tellement buggé. J'ai une pièce en deux. Voilà. Voilà. Putain, menace qui a toujours 3000 trucs pour se protéger. Ça dégoûte. Et ben bravo les gens qui avaient prono 3. Merci pour ces lives et bah merci à toi de les regarder Zebrania, c'est très gentil. Bravo, vous êtes assez nombreuses et nombreux à gagner 125 points, félicitations. Bon, ça, on a des égalités sur la troisième place du podium. Ah, je crois que ça fait plus longtemps qu'on n'a pas fait le flipper, alors je vote le flipper, mais votez ce que vous voulez. D'accord, personne vote le flipper quoi. À moi la PS5, dit Roméo. Aïe, 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 aïe. Ok, pays neigeux. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des pronos? Ah ouais, le prono 3, vous l'avez trop massacré. Du coup, prono carte, il a plus trop envie que vous puissiez prono 3, là. Je me suis pris deux fois le pingouin. Vraiment, pas longtemps. Hein. Ah ouais, les 6 champis. C'est pas mal. Dommage. Il va pas y avoir une foudre là, pendant que j'ai cet objet de merde. Vraiment de la merde le champi doré, tu peux pas te défendre, tu peux rien faire. Je pensais pas qu'il m'aurait... est là. J'étais greedy là sur la fin, j'étais très très greedy. J'étais vraiment très très à droite de la rampe sur le bord. Bravo les gens qui ont prono 4, vous gagnez 98 points. Félicitations. Il y a la moitié de la room avec la voiture coccinelle, j'imagine c'est la méta, tout à fait.
Et ce sera la corniche champignon. C'est parti. Voilà, vous pouvez voir la valeur de chaque pronostic. Alors, bon, les places 3 et 4, elles rapportent pas énormément hein, quand même. Le reste, ça va. Ah, la deuxième et la cinquième, un peu low aussi en vrai. Putain, j'ai appuyé trop tôt. Ne vous inquiétez pas, c'est une tech. Je fais toujours top 1 de toute façon sur cette map. Ouais, ça je suis obligé de me le prendre. Bon là ça va être un peu chaud peut-être le top 1, attendez 5 minutes hein, quand même. Peut-être plus tard en fait hein. Finalement. Non par contre le champion en 10 Je veux bien que... Voilà, mais s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, hein, bien sûr, ça va être un top 1, évidemment. Arrêtez de créer des bouchons, là! Et ça joue, ça joue. J'ai eu un champion en 10. Et j'ai un bill en 6. Vas-y, sérieux. Oh là là, mais quoi? Et là, j'ai un triple en 4. Bon, je l'ai pas gardé. Oh, Nascal. Oh, Nascal, merci. Oh, Nascal qui me régale là-dessus. Oh, Nascal, tu me régales. Ah non, j'ai fait la même connerie que Vico. Non. Cinquième place. Bravo les gens qui avaient prono 5, s'il y en a. Oui, il y en a. Bravo, vous avez été quand même quelques-uns à le tenter. Toujours une égalité sur la troisième place du podium. Une grosse égalité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 5 à 6 personnes, j'ai pas eu le temps de voir. Qui étaient à égalité avec, 3, avec 480 points. J'ai voulu prendre le cut du tuyau qui fait voler et là qui tue m'a attrapé. Ah merde! On stop les anciennes maps là, please. Cela dit, ça fait une éternité qu'on n'a pas fait cette map. Hein. Mais genre vraiment, j'avais oublié qu'elle était dans le jeu. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait cette map, sérieux? Ah, je pensais pas que la rouge pourrait m'atteindre parce que pour moi il était devant moi, alors à moins que ce soit une autre rouge. J'avoue, je suis un peu surpris. Yeah.
Non, le coin! Le coin est terrible. C'est pas du tout OP la façon dont je suis passé là. Putain mais... Vico, tout le temps des boomerangs hein. Non, non, passe pas par là. Putain quel con. J'ai appuyé sur le champi comme pour me protéger de la rouge. Alors ça ne marche pas. Voilà, vous le saurez. Je suis vraiment un expert de Mario Kart. Alors, d'accord. Faut pas se prendre l'œuf aussi, je vous le dis, apparemment. Je suis en train de... Ouais, ok, la banane, faut pas la prendre non plus. Je suis en train de tester un peu le jeu, du coup je vous donne un peu toutes les infos hein, au fur et à mesure. Si vous voulez des petits tips sur MK8, vraiment, n'hésitez pas. Et bravo pour les gens qui avaient prono 7, voilà, là ça fait bouger le classement cette fois, ça y est, il y a un podium, un podium distinct. Tu touches de l'argent sur les pages de pub qui se déclenchent parfois pour savoir si je m'en plains ou pas. Tu peux t'en plaindre à moitié vu que je touche la moitié de l'argent. T'as une astuce pour faire Royaume Sorbet? T'as essayé de mettre ta Switch dans du riz, Magikarp? Tu mets ta Switch dans du riz et tu la laisses indéfiniment. Voilà. Ok, c'est parti pour le lac Bou. Ok. Faut mettre de l'eau avec, faut mettre un glaçon. C'est parti pour le lac Bou. Putain, j'ai... J'ai déjà hâte de la sixième vague, mais ça va être dans longtemps encore, je pense. Hein. Je pense que la sixième vague, ce sera au mois de novembre, en vrai. Si c'est décembre, c'est très grave. En vrai, si c'est au mois de novembre, ça va être chiant avec toutes les sorties, ceci dit. Mais bon... Je trust, il n'y aura pas de foudre jusqu'au prochain objet. Aïe! Ah la bleue. Ok. En vrai, je pense que si je voulais dodge la foudre, j'aurais dû attendre pour avant d'utiliser l'étoile. Je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait une juste après. Genre maintenant. Oh, la banane en 4, putain. Oh, il fallait... Faut forcément que j'ai un... Bref, vous avez vu ce qui s'est passé. Oh non, mais non. Le roll est insupportable, là. Désolé, j'ai besoin de cette place. Oh, le low roll de bâtard. Banane simple en 4, plus... Je me la fais voler, plus rouge.
Oh là là. Tellement dur cette fin. Et bravo les gens qui avaient prono 7. Ah non, j'allais dire bravo les gens qui avaient prono 7. Personne n'avait prono 7. Dommage. Ok. Bravo à personne, tout à fait. Et ce sera... Oh putain, j'aurais jamais dû voter aléatoire. Piste musicale. De 3DS. Celle-là, on l'avait pas faite depuis longtemps non plus, mais c'était vraiment pas grave. Hein. Mais c'est moi où ils reboostent les anciennes maps, là. J'ai l'impression qu'il y a très peu de maps de DLC dans les choix par rapport à d'habitude. Peut-être le hasard en vrai. Hein. Les amis, je vous rappelle aussi que demain, je ne ferai pas Among Us. Among Us avec des rôles. Je fais plus qu'une semaine sur deux. Du coup, demain, pas de Among Us, mais ça veut pas dire que je streamerai pas. En vrai, je streamerai peut-être. En vrai, je pense que ce sera pas le soir si je stream, on verra, mais... Il y a moyen que je fasse petit après-midi chill avec un petit Trackmania ou quoi, mais c'est même pas sûr. Mais voilà, peut-être demain je serai en stream. Pas forcément le soir. On verra. Aïe. Je suis à chier là. Aïe. Faut le tenter le cut, mais je suis pas bon pour ça. Ça va, on se... Ah, dommage, ouais, ouais. Pas tip top, hein, quand même. Pas réussi à avoir la doublette. Non mais eux ils le prennent. Ils prennent le cut sans champi. Je savais même pas que c'était possible mais en vrai ça doit pas être si dur. Bravo les gens qui avaient prono 3. Tu fais plus qu'une fois par semaine? De quoi? Non, Among Us, je fais une fois par semaine... Enfin, une fois la... Attends, on est semaine pair ou impair, j'en sais rien, mais bref, je fais une fois que les dingus le mardi, et une fois les dingus le mardi plus les relus le dimanche. Et j'alterne comme ça. Donc en gros, je fais les relus une semaine sur deux et les dingus toutes les semaines, quoi. Je sais pas si je referais un autre tournoi après celui-là en vrai. Je suis un peu KO. Je sais pas à combien de courses on en est, on va voir. Oui, le cut sans champi se fait, mais je me suis foiré, je suis parti dans l'herbe. Il a pas l'air facile. Hein. Mais ouais, je préfère faire des petits lives et en faire un peu plus plutôt que des gros lives. Après, mardi, il y aura un gros live. On en est à la dixième, en vrai ouais, je pense que je ferai qu'un seul tournoi. Mardi on aura un plutôt gros live avec... Alors à la base on devait faire du GeoGuessr à 23h30, mais vu que je suis en mode recalage et tout, j'ai insisté pour le décaler à 18h10. Donc de 18h10 à 20h20, on aura du GeoGuessr France, Japon et Suisse.
avec Nema, Fukano et Bribri. On fera donc du team duel pour avoir deux répartitions différentes. En gros, ce sera une première partie de trois duels avec Fukano et moi contre Bribri et Nema. Et donc on fera un roulement France, Japon, Suisse. Je sais plus avec qui j'ai dit que j'étais sur la première, mais bref, et sur la deuxième, bah, je serai toujours pas avec... En gros, ce sera une où je serai avec Bribri et Fukano avec Nema, et une où je serai avec Fuka et Bribri avec Nema. Voilà. Et avec à chaque fois les trois pays. France, Japon, Suisse. Sachant que, bon, bah, Bribri est censé être un peu plus fort en Suisse, et Fukano est chaud bouillant sur le Japon. Et Nema et moi, on est chaud bouillant en France. En vrai, je pense que l'équipe qui est avec Bribri est dans la merde. Non pas parce que Bribri est nul, mais parce que déjà Fukano est vraiment très très chaud sur le Japon. Mais aussi pour un truc très con, c'est que bah, Bribri ne vit pas en France. Donc Fuka, il a quand même un avantage sur Bribri sur la map France, quoi. Donc on verra, hein, on verra, mais... Bribri est nul. Ah, vous êtes des bâtards. Et oui, donc ce sera mardi à 18h10 sur cette chaîne, suivi à 20h20 par Among Us, Dingus. Je sais pas la liste des participants, mais voilà, avec les gens un peu de d'habitude, quoi. Très probablement. Oh, mais non, mais vas-y, c'est scripté de fou, ces carapaces, j'en peux plus, là. Putain. Non, barre-toi avec ton étoile, barre-toi avec ta plante. 7ème, bravo les gens qui avaient prono 7, s'il y en a. Oui, il y en a. On a déjà un classement avec pas mal de décalage. C'était dur de t'éviter en étoile à la fin. Eh oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. C'est moi ou c'est l'enfer cette room? Elle est pas facile, elle est pas facile la room en vrai. Non, si, ce que j'allais dire c'est putain, encore trois anciennes maps, c'est quand même bizarre. No complotisme, mais le jeu propose très très peu les maps DLC là, vraiment, il y a un délire. C'est quoi la proba qu'on ait à chaque fois trois maps... Trois maps anciennes proposées et autant de fois. Par contre, parle bien de la plante. Jamais je parle bien de la plante. C'est vraiment l'objet, je le... C'est un objet, moi je peux le tèche sans aucun problème. En vrai, quand on fait des parties avec les objets personnalisés, là je l'ai pas, j'en ai pas mis, mais quand on fait objet personnalisé, j'enlève la plante, le bloops et parfois le champi doré. D'accord. C'est horrible. Objet pas fou en vrai. Il y a encore des plantes devant. Voilà, forcément.
Il va plus vite que moi avec une étoile. Faut pas abuser, non? Voilà pourquoi le champi doré j'aime pas, c'est juste que tu te prends des trucs derrière, tu peux rien faire. Nasque va m'avoir avec son... sa rouge. Bah non, sauf si je reste derrière. Ah non, c'est mort. Wow! Mon perso il est écrasé. Je sais même pas si c'est le klaxon ou le bus que je me suis pris. C'est une catastrophe. Oh là, le top 11 là qui arrive. Top 9. Est-ce que des gens ont tenté prono 9? C'est un prono intéressant ça, le 9. Oui. 451 points. Ça va faire bouger le podium. Oui. Effectivement. Meto qui est passé en 3ème position, si je dis pas de bêtises. La triple verte en 8, quel bonheur. Horrible. La seule fois de la soirée où je vote pas 9. Dommage, Yuniat. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est toujours 12, très bien. Je tiens à dire que quelqu'un a voté Pisto Délice. Voilà. Je voulais juste vous le faire remarquer. Vous pouvez faire vos pronos sur Bangkok. Map de ouf en vrai. Elle est bien Pisto Délice. Non mais en vrai, moi c'est vraiment plus que... Je sais pas, il y a des maps, elles sont là depuis moins d'un an, et il y a des maps, elles sont là depuis 10 ans quoi, donc c'est plus ça, mais... Je comprends les gens qui sont attachés aux maps un peu plus anciennes et tout, ou alors qu'on vraiment trop fait les nouvelles depuis qu'elles sont sorties. Mais... Enfin, cela dit, après Pisto Délice, je dois avouer que... Même... Indépendamment de la date de sortie, je la trouve pas ouf en vrai. Je sais plus, je l'avais mis où dans ma tier list Mario Kart à l'époque. J'hésite à camper le champi. Est-ce que le prochain objet c'est... Ouais. Ouais, ouais, je campe le champi, hein. Alors, pas pour dodge... Pas pour dodge une bleue, parce que ça servira à rien, mais pour faire ça. Merde. Ouais, le bout de la fin qui m'a fait peur. Mais on est arrivé à un top 1. Bravo pour les 680 points. Ça va beaucoup bouger sur le classement. Oh là 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 là. Ça va Stonks. Ah oh oui, il y a du Stonks là. Oh là 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 là. C'est serré, c'est serré. Mais le classement bouge énormément.
Ouais, non, quand même. Ton avis sur Desert Calimari, savoir si je me désabonne. Desert Calimari, bonne map. Je trouve que... elle est assez classique sur Mario Kart 8. Mais très ok. Tu restes ? Ok. Nul. C'est ça le problème, c'est que je suis à chier en fait. Triple verte en 7, c'est puant. Ah, dommage. Je vais avoir un champi. Ah, mais non, mais je suis con. Nul. Je le tente avec un peu peur d'une foudre, mais vas-y hein. Oh, putain, j'avais pas vu sur la route. La carapace arrêtée sur la route. Hop là. Oh le con. Oh le misplay. Ne pas prendre d'objet à ce moment de la partie. Tout le monde prend le cut sauf moi, let's go. Oh le top 12. Oh le top 12. Oui, c'est un top 12. Top 11 pour l'instant, il y a bébé Bowser. Bowser Junior derrière là, mais je vais rester top 11, ok. Oh là 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 là. Oh là 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 là, le classement qui va encore bouger. Et bah alors, beaucoup de rebondissements hein, sur ce classement. Rormir devant. Oh là 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 là. Ok, test de QI. Test de QI. Bon, en vrai, Arena Excitebike, j'aime bien, mais... ok, bon. Oh, quel dommage! Quel dommage! T'es obligé de refaire un tournoi derrière, non? Je vais canner depuis quelques maps, j'avais l'impression d'avoir un drift et en fait j'ai juste oublié d'enlever le gyroscope. Oh la tristesse!
Hein? Je me suis pris quoi? Je me suis pris du rien. Ça m'a fait perdre 8 places. Je suis un peu dans la merde là en vrai. Pas avoir d'objet ici, j'aime pas. Il devrait y avoir une bleue bientôt normalement, mais vas-y. Voilà, je connais trop le jeu. Je connais beaucoup trop le jeu, c'est une catastrophe. Allez, c'est plié. Ok, bravo, les 730 points. Le classement qui va rebouger. Oh là 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 là, ça fait du yo-yo les places là. Oh, le classement de PronoKart qui bouge à foison à chaque course. C'est une dinguerie. Oh là 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 là, c'est Lord Rubrik qui passe en tête. Suivi par Ikari. Oh là là, le classement a tellement bougé. C'est ouf. Quelle map horrible, la bannière des prochains MK vraiment. La map qu'on vient de faire? Putain, moi je l'adore. J'adore cette map. Je la trouve trop trop cool. Allez, et maintenant, sans le gyroscope, je montre mon vrai visage, mon vrai talent. 11ème place. Allez, le stade. Oh... Oh. C'est la dernière, ça? Non, c'est l'avant-dernière. Avant-dernière, je crois. Hein. Ouais, avant-dernière. Bon, en vrai, je suis désolé, les amis. Je ferai pas de deuxième tournoi parce que je suis un petit peu KO. Je suis con, je double juste pour me prendre la rouge quoi. Vas-y, 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 j'esquive. Voilà. Là, il va y avoir des gens avec des étoiles derrière. Ça va. Ça, c'est beaucoup des champis là quand même. On va s'éloigner un peu de la personne à l'étoile, j'ai pas réussi. Ok, le bill en 9 par contre, ça me met très très bien. Putain, j'ai spammé l'étoile en me disant qu'il y aurait la foudre, en fait non. Hein. Elle va être après, elle va être sur cette rangée d'objets là. Ou alors il y en a juste pas.
Ah, quelqu'un m'avait envoyé deux rouges. Quoi? Mais attends, sérieux? Mais what? What? Eh bah... les pronos... Enfin, le classement va rebouger. Mais quoi? Attends juste, il y a quelqu'un qui m'a envoyé deux rouges, je me suis protégé sur la première, je me suis pris la deuxième, j'ai perdu genre 6 places. Ah ouais. Vivi Dono qui prend la tête. Oh, les 3 maps sont bien. Les 2 sont bien. Les 2, enfin Sydney et Retard Arc-en-Ciel sont bien. D'habitude je vote toujours les DLC, mais là je suis désolé, moi je vote Retard Arc-en-Ciel, vous faites ce que vous voulez. Bon, à part si on tombe sur aléatoire et que ça fait ferme meumeu, enfin prairie meumeu de merde, ce sera une bonne map pour terminer quoi qu'il arrive. Là, à moins que ça tombe prairie meumeu. Enfin, Samira. Mais après, ok, route arc-en-ciel SNES. Cité Sorbet, ouais, j'aime bien. Je trouve qu'elle est pas incroyable, mais je la trouve très ok. C'est une map qui marche bien pour la DER, je trouve. Allez, c'est parti pour les ultimes pronos de la journée. Mais on refera du prono carte à l'occasion, hein. Vous en faites pas, on en fait souvent. D'habitude, en vrai, j'aimerais bien caler ça de manière un peu plus régulière le vendredi soir, mais c'est compliqué à être aigu le vendredi soir pour moi. Oh non! Oh, d'où? Objet à chier en 12e, hein, y a rien à dire. Je pourrais pas avoir deux objets. Je pourrais pas avoir le double là. Ouais. Non, la plante de ses morts, c'est pas vrai. Je pourrais encore pas avoir le double du coup. Je peux jamais avoir les doubles objets parce que je suis bloqué par des objets à la con. Ça c'est bien, par contre une étoile en 4 pour terminer. On est plutôt sur quelque chose de correct, on va pas se mentir. L'étoile en 4 par contre ça régale. Le jeu nous a régalé. Personne n'avait tenté le prono 4. Oh là là, le dernier qui se termine. Oh là 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 là. Après, si c'est pas tous les vendredis soirs, mais uniquement les vendredis soirs où tu peux, c'est bien aussi. Ouais, en vrai, ouais. Mais en vrai, je pense que le plus logique, en vrai, je me dis, vu que tous les vendredis soirs, ce sera trop. Parce que de toute façon... Comment dire ? À part quand il y a une nouvelle vague, j'ai souvent la flemme de jouer une fois par semaine parce que je me lasse trop vite. Donc en vrai, vu que je fais Among Us le dimanche soir qu'une fois sur deux, peut-être que alterner, genre un dimanche soir Prono Kart, un dimanche soir Among Us Rolus, ça pourrait être pas mal. C'est un pas dans la bonne direction. Merci pour les 100 bits, petite loutre. J'espère que t'es pas trop déçu que... je reste finalement. Et pour te remercier de ce live MK, trop cool. C'est pour ça que tu restes finalement, j'ai pas compris. Mais merci beaucoup, merci, c'est très gentil. Ce fut un plaisir ces 16 courses, mais oui, un plaisir. Je vais re-regarder le classement, j'ai pas trop eu le temps de voir. Je rappelle pour tout le monde que... parce que j'ai dit que je reste suite à ton avis sur Desert Calimari. Ah bah oui, ah oui, d'accord. Bah non, bah trop bien.
Vivi Dono, félicitations Vivi Dono pour le top 1 sur PronoCart du jour. Lord Rubrik en deuxième position, bravo pour le top 2. Pas loin derrière du tout, à 29 points d'écart, on a Ikari Life à 1862 points. Et après, Rormir, Tone, Purple Lolin, Benji, Emeline Day en 8ème, Lemon en 9ème, Luigi Simpson en 10ème, Nomad Coffee 11ème, etc., etc. Combien de personnes? 45 personnes seulement ont gagné des pronos aujourd'hui, mais comme il n'y avait que 16 courses, c'est plutôt compréhensible, en vrai. Ça ne me choque vraiment pas. Et oui, Nemesis, t'arrives à la fin, malheureusement. Je suis désolé, là, il va assez court aujourd'hui. Parce que fatigué, parce que je suis en train de me recaler, parce que j'ai d'autres trucs sur lesquels je dois travailler. Donc voilà. C'était bien ce PronoCart qui, pour une fois, n'a pas été écrasé par la team Prono 1. Bah, normalement, la nouvelle méta qu'on a créée pour PronoCart fait que on peut plus être écrasé par la team Prono 1, quoi. Après, je sais pas si ça va créer d'autres soucis ou pas, mais là, en tout cas, on avait très rapidement des scores très différents. En fait, il y a très peu de variations de scores, à part, bon, si je regarde genre dans le top 20, il y a 18, 19, 20, c'est le même nombre de points. Mais sinon, tout le monde a un nombre de points différent. Et en 16 courses... Ah non, il y a les 6e et 7e à égalité, pardon. 6e et 7e à égalité, Purple Lolin et Benji. Qui ont du clutch 2 bons pronos ou 3 bons pronos, j'imagine. Mais voilà, il y a quand même beaucoup plus de disparités, j'ai l'impression. À voir si ça se vérifie sur du plus long terme. Ouais, par contre, ça varie presque trop. Les places basses se dévaluent extrêmement rapidement. Bah ouais et non, parce qu'en fait... En fait, par rapport à l'ancien système, si t'additionnes le nombre de points que tu peux gagner de toutes les places, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, si t'additionnes les 12 points possibles, et ben en fait, c'est la même... somme qu'avec l'ancien système. C'est-à-dire qu'en fait, les places qui sont un peu dévaluées sont compensées par le fait que d'autres places sont surévaluées. De manière à justement que les gens ne votent pas tout le temps la même chose. C'est en fonction de ce que les gens ont voté que ça a fait varier légèrement en fait le scoring. Les 9 et 10, une course sur deux qui valent moins que la première, c'est quand même perturbant. Ah, après, comme je terminais souvent dans... à la fin du classement quand même, j'ai fait un top 11, un top 10, un top 9. Donc en vrai, c'est aussi parce que je fais des mauvais résultats à des moments, quoi. Le système est mieux mais frustrant en ayant connu l'ancien système. Ouais, ça va. C'est plus fair un peu. En vrai, c'est surtout que ça permet des... Ça permet des... de pas faire d'égalité, quoi. Et pas que juste, bah, quand il y a la team Prono 1 qui débarque, tout le monde se sente frustré. Donc en vrai... Voilà. Il y a un peu le même problème dans l'autre sens, on va dire. Écoutez, je vais m'arrêter là. Donc, comme je vous le disais... On se retrouve peut-être demain ou pas, je sais pas. Peut-être demain, je ferai un petit live l'après-midi, un chill Trackmania, ou peut-être pas, je sais pas. Lundi, pareil, ça se trouve, lundi après-midi, je streamerai, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mardi, on se retrouvera à 18h10 pour du GeoGuessr en team duel avec Nema, Bribri et Fukano. Et que il y aura ensuite à 20h20, évidemment, le Among Us traditionnel, mais pas de Among Us Relus demain. Voilà. Je vais vous envoyer chez Neyru. Je compte sur vous pour être extrêmement sage dans son chat. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne fin de week-end, bien sûr. Et puis, bah, soit demain, soit après-demain, soit à mardi. De gros bisous. Soyez sages. À très bientôt. Ciao !